Bonjour et bienvenue, je suis l'Antien01 et aujourd'hui nous allons faire un nouvel épisode de Far Cry 5. Alors aujourd'hui nous allons continuer notre aventure sur Far Cry 5. Nous sommes toujours au premier secteur hein, du jeu. Comme je vous ai dit lors de l'épisode précédent, je sais pas si je serais tenté de faire une vidéo faire des vidéos d'une heure en fait sur ce jeu. Pour pouvoir vraiment avancer finalement, parce qu'on n'avance pas vraiment en 30 minutes à faire beaucoup de vidéos. C'est des jeux qu'il faut faire ça en mode live hein. Malheureusement moi les lives c'est juste pas possible avec la box, je peux pas, et puis avec la clé 4G tout ça, bah, ça me coûtait très cher. Du coup je peux pas. Oui, que j'arrivais à avoir l'hélicoptère pour le fracasser, mais non. Bon, c'est pas grave. Alors, du coup, nous allons faire donc cette mission, comme j'avais dit que j'allais faire cette mission. Donc, du coup, on va s'en occuper. Ouh, une écriture alien. Ça, c'est marrant. Du coup nous allons nous occuper de ça, on va faire mission en avion là. Regarde-moi cette fluidité de jeu, trop bien Far Cry, franchement il est magnifique ce jeu. Bon, il faut une bonne configuration aussi. Mais bon, si vous avez la bonne configuration gamer, vous pouvez bien vous éclater en mode ultra sur ce jeu. C'est tellement stylé d'ailleurs. Puis graphiquement il est propre hein, vraiment très propre. J'adore. J'ai déjà vu des vidéos sur PS4 aussi, et franchement, personnellement, je trouve que... Personnellement, je trouve plus beau sur... On va s'écraser. On a failli mourir, hein, les amis. De suite. Alors, on va le prendre sur la ligne droite, là-bas. On va s'éloigner. Et on va l'exploser à coup de bombe. On va faire un petit looping ici, lol. Ouais. Ça va le faire. Hop, looping pas très beau. Merde, il est où? Ah, il a tourné. Enculé. Bon, on va faire la mitraillette. Ok. Parce que j'ai les bombes aussi, mais là, c'est pas trop... C'est pas non plus le super avion de chasse américain surnommé le tueur de tank. Donc, on va faire avec, hein. Un pauvre hydravion modifié, lol. Encore bagnole, là. On va voir si on peut le faire. C'est quoi, c'est les voitures du président quoi. Je crois qu'il y a une bagnole qui a survécu. Voilà. J'ai fracassé le machin, je suis pas sûr. Ah, on a des avions de chasse. Ça va être marrant ça. Ah non, c'est un hélicoptère. Il tue le pilote. Ah non, mais l'avion c'est... C'est classe hein. Faut dire ce qu'il y a. Si tu le dis. Mon hélicoptère. Ah.
On est pourchassé par un ennemi. Eh ben alors, le chasseur se fait chasser par un pauvre. Miou. Ouais, mec. Bim. Je crois que je l'ai tué. Regardez. Oh, il a encore vie. Ok, là on l'a tué. Ok, du coup, on va. Oh, la vitre elle a explosé, hein. Ah, on est en train de se bouffer toutes les mouches, toutes les insectes dans la cabine. C'est pas très sexy, on va dire. On va se poser sur ce champ. Hein. Lol. Lol. On peut se poser où on veut avec cet avion, c'est ça qui est mort de rire. Ah non, on n'est pas obligé de le ramener à la maison. Hein. C'est pas... Même si l'avion de l'autre gars, là, il va respawn après dans la base. De toute façon, cet avion, normalement, on peut le commander dans n'importe quel aéroport. Du coup, voilà. Petit attaque aérienne. C'est sympa, je dois dire. Hein. On va continuer notre aventure. Alors, en armement, on a eu... Alors, je vais en vendre saloperie là. Un peu de ça. Munitions, je crois que... Flèche, lol. En armement. On donnait quoi? Revolver. Lol. Seul truc qu'il n'y a pas, ce qui est dommage, qu'il n'y a pas de Desert Eagle. J'adore les Desert Eagle. Il n'y en a pas. On a les Magnum canon long. Ah, là avec un machin. On a un Magnum canon long aussi, comme celui-ci d'ailleurs. Celui-ci il est plus... Précision, dégâts. Ouais, c'est pareil. Juste l'apparence qui change. Là, on a un petit Magnum tout petit. Ouais, c'est le code 45. Visée à pompe. Ah, c'est ça qu'on a débloqué. Le MP5. C'est classe. Les mitrailleuses. Ce sniper... Mitrailleuse. Un lance-pierre, lol. C'est quoi l'avant? Arc à poulie et arc à l'ancienne. Ça c'est les cannes à pêche, hein, bien sûr. Vous savez que vous pouvez pêcher. Hein. On va l'acheter d'ailleurs. Vous pouvez pêcher d'ailleurs dans le jeu. Je sais comment ça marche.
T'as que ça? T'as pas de... Le petit coffre trop mignon Hein? Oh, c'est triste. Du coup, alors, continuons les amis. Après cette petite raid en avion, on va voir ce que les personnes nous proposent. Ça serait bien qu'on puisse s'occuper de ce secteur en fait pour qu'on attaque un autre secteur. Mais en 30 minutes ça va pas le faire. Il faudrait faire une vidéo un peu plus longue. Et je sais pas vraiment, parce que le montage va me prendre encore plus de temps le montage, avec une vidéo d'une heure. Et franchement, y a quasiment personne qui regarde la vidéo quoi. Bon, après je comprends, hein. Le jeu est sorti, je voulais l'acheter, je l'ai acheté pour moi à la base. Et finalement j'ai fait en vidéo mais c'était pas prévu. Après j'ai eu un problème d'ordinateur donc du coup je peux plus faire la vidéo. Et là, après c'est normal que personne ne regarde quoi. Vu que c'est un jeu qui est... voilà c'est Far Cry, c'est une grosse licence. Hein. Petits youtubeurs n'ont pas le droit de jouer à ça vu qu'il y a personne qui regarde. Du coup, petits youtubeurs doivent fermer leur gueule et pas jouer à ça. Vu que bah, personne ne regarde tout simplement. Voilà. Donc après bon après comme je dis c'est tout à fait logique hein, parce que bon c'est un jeu qui est. C'est un jeu qui voilà. Tous les gros youtubeurs qui l'ont fait quoi. C'est ça que je cherche en fait. Je crois que ça serait mieux que je puisse mettre que je mette voilà, que je mette ça parce que bah, c'est pas quoi à faire vu qu'on passe devant on va libérer un secteur. On passe devant normalement un avant-poste. Il est là l'avant-poste? Ah oui maintenant on a des avions maintenant qui nous surveillent. Hein. Donc faites très attention. Est-ce que c'est un c'est... Ah non c'est plus loin. Pourquoi ils tireront là? Pourquoi ils tirent? Il est en vue. OK. Bon. Attention petit loup. C'est ici alors. C'est ici je crois. Non c'est là-bas. C'est là-bas. Hop là. Alors qu'est-ce qu'on a? C'est chez les citrouilles c'est ça? Ah citrouille. Citrouille très très grande. Très très grosse citrouille. Pour Halloween ça sera génial. À toi puis on peut te et ça sera pas très bien ça sera très bien tu peux t'arrêter lol arrête de marcher avec une flèche c'est pas facile Ça c'est con parce que maintenant les ennemis sont alertés. S'ils tombent à côté d'un mec. Ouais parce que tout, tout fait hein. D'ailleurs c'est pour ça que vous pouvez prendre les corps et les cacher. Si vous voulez rester furtif. Donc du coup. Si vous voulez rester furtif. Qu'un cadavre tombe à côté. Hein. Par exemple si vous tuez un sniper, que le sniper tombe. Enfin, que le mec tombe à côté d'un mec qui est au sol. Donc en bas, par terre. Il s'affole et il vous recherche.
Bon après, tant que vous êtes recherché et que vous n'avez pas découvert, ça passe. Donc voilà. Mais voilà. Faut savoir que dans ce jeu, la furtivité dans ce jeu est vraiment assez primordiale. Pourquoi? Parce que comme vous avez pu voir, on peut vite être dépassé. Et vite se faire zigouiller. Hein. C'est pas. Là, qu'est-ce que je vous dis? Ils ont trouvé le cadavre. Ils nous ont pas vu nous, hein. Mais ils ont trouvé le cadavre. Donc là, ils se doutent qu'il y a quelqu'un qui arrive. Vous voyez le délire? Mais tant qu'ils allument pas l'alarme, ou tant qu'ils nous ont pas repéré nous, bah. Bah, tout simplement, on craint rien. Il y a du monde, hein. Le mec s'affole un petit peu là. Parce qu'ils ont vu le cadavre par terre. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous avez vu là, qu'est-ce qu'on a là? On a un machin à faire péter. On le fera péter après. Les mecs se sont un peu arrêtés, là ils sont un petit peu calmés on va dire. C'est chaud au cul, hein. Faut pas dire autre chose. On est vraiment mal parti, j'ai aucun angle de visée et j'arrive à éliminer personne. Ça me saoule. Ils ont toujours pas repéré, hein. Même si on entend des dégâts, des bruits, comme si un sniper nous tirait dessus, mais... Ils ont pas repéré. Il y a deux alarmes, bien sûr. Ou ce serait bien qu'on arrive à éliminer les gardes. Comme je vous dis, si on élimine un garde, si on élimine tout le monde, sans se faire repérer. Hein. On gagne un bonus. Alors quand je jouais tout seul, il n'y avait pas de problème. Mais depuis que je fais la vidéo, ça part de... Comment dire? Il est en couille. Voilà. Fais chier. Putain mais... J'arrive plus hein. D'accord, ça fait l'action pour vous mais c'est chiant quoi. Je gagne pas d'argent et moi je peux pas acheter d'armes quoi. À cause de leur merde là. Ta gueule toi.
fermes ta gueule, toi. Tiens, ta grosse mitreuse, t'as raison, toi. Et on gagne pas d'argent, voilà. Voilà, alors bien sûr on peut pas s'enfuir, hein. On va se faire encore capturer. Hein. Voilà. Le seul truc qui peut être chiant, c'est qu'à chaque acte... À chaque acte en fait, quand on arrive à une case de menace, on est capturé par le chef de, du secteur, hein, obligatoirement. Hein. Donc on peut pas passer à côté. Parce qu'ils ont des choses à nous dire et tout ça. En même temps, c'est un peu l'histoire qui est basée comme ça en fait. On peut pas faire grand chose. Hein. Bon, si vous avez joué à Far Cry 5, vous comprenez de quoi je parle en fait. Objet divers. Hein. Pas mal. Des grenades, tout ça. Donc voilà, ça c'est le seul souci, hein. Même si vous êtes en avion, parce qu'en fait c'est la mission en fait, c'est simple, c'est en fait, si vous êtes en avion, vous n'êtes pas capturé, vous êtes dans les airs, voilà, mais si vous êtes en voiture et que vous avez croisé personne, au moment où vous êtes assommé, vous dormez, en avion ça le fait pas, ça m'est pas arrivé, mais il faut savoir que tant que ça, cet objectif n'est pas fini, hein, on passe pas à autre chose, enfin on peut faire, libérer des choses, et encore libérer des choses, c'est vite dit, hein. On était en train d'aller là-bas, hein, là-bas. On va fracasser ça là-bas. Mais, comment dire. Mais voilà, l'histoire principale, tant que vous n'êtes pas été capturé, vous, bah, vous dansez pas tout simplement. Hein. Donc voilà. Voilà, voilà. Donc là on va essayer de faire l'objectif, mais bon je pense que la mission va être comment dire capoute, hein, vu qu'on va être sans doute intercepté par par les bonhommes. La mission désignation comme ça, hein, c'est tu vois, c'est fait exprès en fait. Faut pas faire autrement, c'est fait exprès. Parce que c'est pour la cinématique de voilà, t'as fait ça, c'est pas bien, lol. Me traîne par les pieds, lol, c'est pas bien. Ah.
La poussière, lol. Génial, je vais avoir le droit à un super tatouage au nombril. J'ai toujours voulu avoir un tatouage au nombril. Un petit soleil, c'est mignon. C'est ce qu'il va nous avoir, enfin, on va pas le voir. Mais c'est ce qu'il veut nous faire. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a entendu déchirer les vêtements. Parce qu'il veut nous faire un tatouage. Là, il est en train de nous passer, tu sais, le produit là pour désinfecter. Passer les tatouages. Le tatouage, on en a pas dans le jeu. On peut en mettre, je crois, dans le jeu, mais je suis pas sûr. Ça, c'est moins pour tatouer, ça. Tout à l'heure, oui, cette machine est pour tatouer, mais là, le tournevis, ça marche beaucoup moins, il paraît. Il est pas content. Il boude. C'est un tournevis ou un couteau? Non, c'est un tournevis. Il est d'accord. Alors on peut parler. On va dire oui. Alors, j'ai en train de faire tout ce que je fais, tout le contraire que j'ai pas fait au début. Hein. Quand j'ai fini le jeu pour la première fois, j'étais l'insoumise, tu sais, l'insoumise quoi. Mais on dirait qu'en fait les choix ne changent pas finalement. Vu que même si j'appuie sur oui là, il embarque la fille. Donc je pense pas que ça a vraiment de grand, comment on appelle ça, de changement, on va dire, à long terme, je sais pas. Parce que voilà, ça change pas. C'est la même vidéo. Pourtant j'appuie sur oui, vous voyez. Alors. Je suis emprisonné. Oh my fucking god. Je suis. Ah oui, c'est un débardeur que j'ai. Ah, je dis what, je vois aucun vêtement là, bizarrement, je croyais que j'étais à poil. Alors du coup. Ah voilà. Oh, ils le disent pas mais. C'est ce qu'il fallait faire. Lol. On va avancer. On aime bien avancer. C'est tellement mignon avancer. On va se faire mal qu'on va tomber. Ça se voit que la fille qu'on a, c'est une Marines, hein. Et qu'elle a peur de rien. Ok. Alors, du coup. Alors, du coup, ouais. Alors, on n'a pas de couteau dans le jeu, hein.
C'est à coup de batte de baseball ou à coup de tuyau à plomb là. Mais on peut. Ok. Donc là, on a dépassé le temps normal. Nous sommes à 42 secondes du temps normal. Dépassé, hein. 42 secondes dépassées en temps normal de temps. Le temps de minute en règle. Ah. Et je sais pas si je fais, comme je vous ai dit, si je fais... On a des couteaux là. Si on fait... plusieurs si on fait une vidéo longue ou pas, c'est le seul truc en fait qui me il n'y a pas de silence, hein. Si on tire, on va se faire opérer, mais d'une puissance. Ah. Ah non. Non, je croyais qu'il y avait passage. Nous sommes dans un bunker, hein, bien sûr. Vous l'avez deviné. Vous savez, aux États-Unis, les bunkers, il y en a de partout. Dans la vraie vie, c'est pareil. Toujours peur d'une menace... une menace nucléaire ou tout ça. Mais bon, il n'y a pas que pour, le nucléaire, hein. Je parle aussi des tempêtes et tornades qu'il y a. Les tornades, les tempêtes, tout ça qu'il y a aussi aux États-Unis. Hein. Pas non plus. Pas non plus, vous croyez genre Fallout. Hein, voilà. Donc tous les fanatiques de Fallout qui s'arrêtent un peu quoi. Je parle pas du jeu, je parle de Fallout en question, Fallout qui veut dire désastre nucléaire et tout ça quoi. Leur attaque missile nucléaire sur tout le pays et tout ça quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Alors, ça c'est bien parce que par exemple. Dans la première vidéo, ça, ici, je suis pas allé ici. Parce que j'avais pas les crochets. Et on gagne quoi? Des plantes et un magnum. Bon, c'est un petit magnum canon long, canon court, hein, mais on gagne un magnum. Ça, c'est bien ça. C'est des avantages de finir une deuxième fois le jeu parce qu'en gros, vous le faites un peu mieux, hein. Arriver à, comment dire, un peu mieux, même si pour moi, dans mon cas, toutes les libérations, j'ai réussi à les faire sans me faire opérer, que là, jusqu'à présent, tout part en couille. Donc, mais pour le reste, lui, je bute...
pas été repéré? Nani? Si, on a été repéré. En fait, je croyais que j'avais encore des couteaux. Et moi, je... grenade. Ah, quand vous faites pas attention... ils sont tous morts. Voilà. J'ai rien compris, hein. Tant mieux. Mec, genre... la grenade, quoi. Tout va bien. Tout va très bien. Ok. Donc bien sûr, comme vous pouvez savoir, maintenant j'ai débloqué le Magnum, ça m'évitera de l'acheter. Un passage là? Non. Okay, c'est juste... porte là aussi, mais je pense que c'est juste décoratif. Ok, du coup, cette zone là, on l'a fini. Ah ouais, il faut fuir là. Du coup, c'est parti. Ça c'est les zombies hein. Vous avez compris je suppose. On va passer au milieu. Hop. Pourquoi? Parce qu'en fait on se fait entourer. Alors le bruit du pistolet est un peu... En fait là on est drogué hein. Vous avez compris hein. Je suppose. Là, il faut juste fuir hein. Vous avez bien compris qu'il y en a infini mec. Genre de zombies là. Et comme vous avez compris, nous sommes bel et bien au bunker qu'on a essayé d'attaquer la dernière fois. Ils sont solides par rapport au reste. Les zombies. On va revenir normal hein. Voilà. On voit encore les mecs là-bas. J'ai plus de balles. Okay. Donc vous avez pu savoir, on était aussi au bunker hein. Le bunker de l'autre là. Du coup on
Ok, du coup, on va se diriger vers notre prochaine mission. Mais je pense que nous allons arrêter ici, hein. Même si je vous ai dit qu'on va sans doute, on va essayer de faire une vidéo plus longue, mais bon. Pas non plus pas une vidéo d'une heure. Enfin, même si ça serait l'objectif finalement. Pour pouvoir finir le jeu assez vite. Pouvoir après s'occuper des DLC, quoi. Parce que bon. Je pourrais lancer les DLC, mais bon. Autant finir le jeu de base déjà. Avec vous, les peu de personnes qui regardent. Et faire les DLC bah après, hein, littéralement. Mais bon, ils sont prévus les DLC, vous inquiétez pas. On va les faire. Il y en a 3, je crois, de DLC. Dont un ou deux qui est déjà sorti. Un, je crois. Il y en a un sorti. Donc, un avion. Mais bon, le jeu est vraiment très très beau. Il y a des petits oiseaux qui volent, des arbres. Alors, pas de voiture garée. Si, il y a des voitures garées là-bas. Deux bagnoles, un camion et voiture basique. Ça nous emmènera plus vite à destination. Parce que bon, je vais pas me téléporter. Hein. J'ai horreur de me téléporter, je vois pas pourquoi se téléporter alors que le jeu est vraiment très beau graphiquement et franchement ça serait du gâchis de se téléporter et de pas profiter de... Autre chose qu'un van tout pourri, hein. On pense qu'on a. L'autre, elle est complètement destroy, elle est de péter tout ça. Elle mettra plus de temps à être réparée que ce van tout pourri. Je crois qu'on a un chasseur qui doit sonner quelque part là. On nous a tiré dessus tout à l'heure. Oh, bien sûr, il y a les caches aussi qu'il faut que je fasse. Ça serait pas mal. Mais je sais pas si les caches je les fais avec vous ou sans vous en fait. Les caches d'armes. Enfin les caches d'armes, les caches survivants en fait. Ce sont des zones un peu secrètes, dissimulées dans toute la carte. Il y a des récompenses en règle générale, beaucoup de crédits, des points de... Des points de... Ça c'est civil. Des points de d'aptitude et... Merde. Et 30 ans des nouvelles armes. Ça permet de les débloquer gratuitement, les armes bien sûr. On peut les acheter hein. Aussi les avoir gratuitement en les débloquant. Ils ont eu de la chance eux. Bon petit gars, pourquoi tu t'affoles? Bon t'es mort? Là, je t'explose le crâne en même temps. Allez, toi tu veux nous parler de quoi? Un téléporteur? Larry Parker. Alors je connais pas Larry Parker. Alors ce qu'on va faire, on va plutôt aller voir Larry Parker parce que ça c'est encore une partie du jeu en fait que je n'ai pas fait en fait quand j'étais en mode solo, quand j'étais en solo sans merde, sans caméra. Donc on va aller voir c'est qui. On sait pas du tout c'est qui. Première vue, on dirait qu'il est où?
Il est près de la zone un peu extraterrestre qu'elle a là. On va voir ça. Oh, un taureau. Un petit gars. Tiens. T'as bouffé par le taureau. Si t'as encore envie, il va te finir le taureau. What? Si je vais, je me fais buter ou je peux lui parler là? Comment ça se passe là, lol? Peut-être couper le courant. Ben, je dis des choses. On va couper le courant. Je vais essayer de faire... plusieurs générateurs. Ah bah en même temps... vu l'énorme quantité d'énergie que le bordel doit... doit demander. あれ割れるって案外言ったんだ。君がそうだろ。カルトがどうとかっていう話は忘れてくれ。僕たちにはもっと大事なやるべきことがある。端的に言えば切迫した脅威。もう少し言えば世界規模の災害だ。それ以上は言えない。奴らが聞いてるからね。キーワードを聞き取ると狙いを定めてきて、僕たちはここカッパ見せた。 でもそうならないためには君の力が必要なんだ。でもパープルトップ電波塔の盗聴器を破壊するまでは何もできない。奴らを出し抜くこともできなければ裏を書くこともできない。つまりあとはその分かるだろう。さあショータイムだ。 Bah écoutez les amis, je pense qu'on va faire cette mission prochaine fois. J'ai accepté la mission hein, donc du coup on doit aller là. Et laboratoire. Je peux rentrer dans le laboratoire? Ah ouais. Il a de l'équipement le mec. Il y a une IA qui parle ou comment ça se passe? Il y a un robot? La NASA. ただ現在の火星の状態を知るため、あなたが異常なほど頻繁に電話やメールを送ってくることに関して、我々は正直かなり迷惑している。異常なマイクロ波はこちらでも検知したし、十分な人員を抑えて観察を行っている。火星は安定しており、爆発するような兆候もない。もしなにかったら必ず連絡する。それでは失礼。Bon, moi, comme vous avez pu voir, il parle de Mars. Alors, pour ceux qui connaissent déjà la liste des DLC vont sortir sur Fallout sur Far Cry 5. Où sont pas d'ailleurs la carte. On a un DLC où ça va se passer sur Mars d'ailleurs. Donc vous voyez ça spawn un peu, ça spoil un peu le. Ça spoil un peu le DLC qui va sortir, je crois qu'il est pas encore sorti celui-ci. C'est en gros on va tout simplement aller sur Mars. Littéralement c'est ça. Vous inquiétez pas, c'est des petits BD qu'on peut trouver, hein, qui sont cachés et qui sont dissimulés un peu partout aussi dans la carte. Il y a des BD de zombies et tout ça. Et voilà. Encore une fois, ça relève encore les DLC qui vont sortir, parce qu'on va avoir un DLC où il y aura des zombies. Le DLC qui est à peu près normal pour moi, c'est avec les Vietcong. Après ça va partir en mode science-fiction et film d'horreur avec des zombies. Si vous avez assez de zombies, bah, manque de chance pour vous, il y aura du zombie dans Far Cry 5.
seront bientôt disponibles d'ailleurs, si c'est pas déjà le cas. Voilà. Sur ce, ben, nous allons arrêter ici. Hein. Donc voilà. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aurait plu. N'hésitez pas de commenter, liker si vous a plu, vous abonner à ma chaîne, ça fera très plaisir. Ouais, vous voyez là. Zombie. Horse of Darkness. Mars. Vous voyez. Donc du coup, oui. Alors j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, de liker, de vous abonner à ma chaîne, ça fera très plaisir. Sur ce, je vous dis très bientôt pour les prochains épisodes de Far Cry 5. Nous allons continuer notre aventure sur Far Cry 5. Là, nous allons, nous sommes à combien de pourcentage? Bon, nous avons bientôt fini ce secteur-là. D'ici quelques épisodes, à part si, bien sûr, je fais un truc en une heure. Je pense pas. Après on aura les deux autres personnages. Ah ouais. Deux autres personnages hein. Et bien sûr on aura aussi le personnage. Yeah. On débloquera. Plus tard. Et normalement une île. Voilà. Voilà pour débloquer. Bref. Voilà. Sur ce je vous dis très bientôt. Allez bye les amis.